Charles de Gaulle en opération dans l'océan Indien. Comme avant tout catapultage, Pedro, l'hélicoptère chien de garde du groupe aérien, s'est positionné sur bâbord arrière du porte-avions, prêt à réagir à la moindre urgence. Sur l'arrière du pont d'envol, les pilotes de la 12F ont rejoint leur Rafale. Leur mission, interception et défense aérienne de l'espace aéromaritime dans lequel évolue la force navale. Leur armement, missiles RR courte et longue portée, canon de 30 mm à très grande cadence de tir. Grâce à la séquence de démarrage automatisée, moins de 5 minutes après leur installation dans le cockpit, les pilotes sont prêts à rouler sur le pont d'envol. Les pilotes ont engagé le mode automatique de catapultage dans l'ordinateur de bord. C'est lui qui pilote la trajectoire de l'avion pendant les 20 secondes qui suivent la sortie de catapulte. Le pilote ne reprend la main qu'à une centaine de mètres d'altitude. Le catapultage du Rafale s'opère par la jambe de train avant. Ce dispositif hérité de l'US Navy assure une grande sécurité et une grande rapidité de mise en œuvre des avions au catapultage. La barre de lancement montée sur le train s'engage dans les crocs de la navette catapulte. La pièce de retenue est quant à elle fixée à l'arrière de la jambe. Elle retient l'avion plein gaz et le libère dès que s'ajoute la traction de la catapulte. Le Rafale est le seul avion au monde à utiliser le système de train dit sauteur qui favorise la prise d'incidence lors du décollage. Pendant la course de catapultage, l'amortisseur du train avant est comprimé. Lorsque l'avion est libéré au bout des catapultes, l'amortisseur se détend et le chasseur prend automatiquement l'incidence idéale. La présence de deux réacteurs de 7,5 tonnes de poussée chacun avec post-combustion est un gage de sécurité supplémentaire. Le Rafale ne craint pas la panne d'un moteur au décollage. Il peut continuer son vol sur un seul réacteur pour revenir se poser. Gestion électronique du moteur. Visualisation de données sur écran tactile LCD. Information vocale par une voix féminine. Cockpit spacieux et confortable permettent aux pilotes de rester réceptifs et vigilants dans la durée et de se consacrer à la réussite de sa mission. Le manche latéral et la commande de gaz sont constellés de commutateurs qui permettent aux pilotes, sans lâcher ni l'un ni l'autre, de commander du bout des doigts tout le système d'armes, l'ensemble des capteurs et le pilote automatique. Capteur de menace aux aguets, le Rafale est capable de détecter, identifier et brouiller tous les radars pointés vers l'avion, d'avertir son pilote en cas d'illumination par une conduite de tir laser et de détecter par capteur infrarouge les flammes de départ d'un missile. Deux éjecteurs de leurre, placés de part et d'autre de la dérive, se déclenchent si besoin pour dévier les missiles attaquants. Combat aérien, le pilote exploite les performances du radar à balayage électronique qui lui donne une vue très claire de l'ensemble de la bataille aérienne. Il peut aussi compter sur l'extraordinaire maniabilité de l'avion, due aux commandes numériques électriques et à la formule aérodynamique originale, plan canard et aile delta, qui donne au Rafale une réelle supériorité de manœuvre en combat rapproché contre tous les appareils pouvant lui être opposés. Au retour de mission, il reste au pilote à mener la phase délicate de l'appontage.
Le Rafale lui facilite la tâche dans la conduite de la trajectoire vers les brins d'arrêt. Le large viseur tête haute, avec lequel le pilote vise la mire blanche peinte sur la piste oblique, intègre les données de vent météo et la vitesse du porte-avions, augmentant la précision du point d'impact. Mais surtout, le système d'automanette, une fois enclenché avec le train sorti, maintient automatiquement l'avion à la bonne vitesse et la bonne incidence. Avec le Rafale, les pilotes sont très rapidement qualifiés hibou, c'est-à-dire aptes aux appontages de nuit. Équipé prochainement au nouveau standard, le Rafale prendra toute la mesure de son titre de premier avion polyvalent au monde, en conduisant depuis le Charles de Gaulle les missions de pénétration et d'attaque au sol.